Hey yo tout le monde, c'est Yusitof, on se retrouve pour le 42e épisode de Pokémon Argent Soul Silver. On a battu la ligue dans le précédent épisode, c'est assez ouf. On est toujours en live, hein, pour les gens qui regardent sur YouTube, bah vous avez raté le live, lol. Y a quand même assez remonté le compteur, hein, 1977 personnes, vous êtes beaucoup. Et bah c'est cool. On continue donc. Oh, NT, le professeur Orm a quelque chose pour toi. Tu pouvais pas me le dire depuis ta table? Allez, c'est bon. Meuf, elle a besoin de se déplacer, tu sais. Juste devant. T'imagines ta mère qui vient juste devant toi comme ça. Ah, il a un truc à te dire. Bref. Ok, le professeur Orm. Il va me dire, ah, tu peux prendre le train et tout, un truc dans le genre. Bonjour, NT. Je t'attendais. Je t'ai appelé pour te donner quelque chose. Tiens, un passe-bateau. Avec ça, tu vas pouvoir attraper les Pokémon de Kanto. NT reçoit passe-bateau. Le bateau part du port d'Oliville. Enfin, tu dois sans doute déjà le savoir. Après tout, tu as déjà bien voyagé avec tes Pokémon. Quand tu seras à Kanto, va dire bonjour au professeur Shen pour moi. Vous avez vu, il n'y a plus de Pokémon là-dedans. Triste, tristesse. Il ne reste plus un seul des Pokémon. Le professeur Orm aurait-il donné le dernier à quelqu'un? Non, il a donné le dernier à quelqu'un. Mais à qui? Ok. Donc, eh bien, on va devoir voler jusqu'à Oliville, tout simplement. Et donc, j'ai dit que je changerai probablement mon équipe de Pokémon une fois arrivé à Kanto, comme j'avais fait sur HeartGold. Ça devait être l'un des seuls trucs qui était bien sur mon let's play sur HeartGold, c'est que j'avais pensé à changer les Pokémon. Après, je dis ça, mais peut-être que je vais pas changer. C'est où Oliville? C'est où Oliville? C'est là. Ah, et genre, tu vas de là pour aller à Kanto, mais c'est totalement con. C'est pas grave. Oh non, je voulais le pass Navigo. Ouais. D'ailleurs, j'ai fait mon pass Navigo. Ouais, je vous en foutais, mais c'est comme ça. J'ai fait mon pass Navigo. Et comme ça, je pourrais... Enfin, ma carte imaginaire, même. Comme ça, bah, je pourrais me balader dans le métro. Entre les zones 1 et 2. De manière totalement tranquille. Oh, NT! Je ne saurais pas te dire précisément pourquoi, mais tu as l'allure d'un maître. Parce que je suis maître. Et maintenant que tu l'es, il faut que ton Pokédex soit digne de ton rang. Allez, passe-le-moi un instant. Je vais t'ajouter le mode national. Le mode national a été ajouté au Pokédex de NT. Je sais que c'est extrêmement dur de remplir le Pokédex national. Faites ton mieux. Quoi? Déjà si tard? Je dois être à Doublonville pour mon émission de radio. Tu vas tenter ta chance à Kanto maintenant, non? Mon laboratoire se trouve dans un petit village appelé Bourpalette. Si tu passes par là, viens me montrer ton Pokédex. Ok. Alors justement, je veux voir combien de Pokémon on a rencontré dans le Pokédex maintenant qu'on a le Pokédex national. On a vu quand même 375 Pokémon sur les 493. C'est quand même grave beaucoup. Ah ouais, c'est même, même grave beaucoup. Ça fait qu'il nous en manque... 110 quelque chose. Après je vais pas compter exactement parce que j'ai pas envie de faire des maths. Bienvenue sur l'Aquaria. Puis-je voir votre ticket s'il vous plaît? C'est le bon pass. Nous allons bientôt partir, monter sans tarder. Ah oui, il faut que je monte, d'accord, ça me fait pas monter tout seul. Waouh, on est 2003 sur le live, alors qu'on est en 2014. C'est ouf. Parfait, on n'attendait plus que vous. Ah, il m'attendait et tout. Regardez, le bateau, il est magnifique. Oh, date magnifique bateau. Non, HD, il rend vachement bien, sans déconner. Ah, il y a Baoba qui nous appelle. Ah oui. Ah, c'est toi, NT. Moi, c'est Baoba. Oui, désolé pour l'attente, j'ai réfléchi à un nouveau jeu. En un mot, on pose des blocs. C'est Minecraft? Viens donc au parc, je te donnerai les détails. Bon, bah je t'attends. C'est Minecraft, je crois. Je crois qu'il a développé Minecraft, le mec. Il est fort, il est fort. Mais vous arrêtez de m'arrêter tous les mètres, là? Oups, pardon, j'ai un gros problème. Ma petite fille a disparu et je la cherche. Ils ont tous la même voix, hein, aujourd'hui. Elle est toute jeune, préviens-moi si tu la vois. Enfin, tous les vieux ont la même voix, ce qui est totalement normal. Ben du coup, alors, quand je dis que je vais changer mon équipe Pokémon, je vais pas changer tout le monde. Attention, attention.
Je pense garder, je vous le dis tout de suite, hein. Je pense garder Popo Girl et Coquinul. Po Jean, ah, NT va garder Coquinul. Eh ben ouais, eh ben, NT va garder Coquinul. C'est les deux seuls que je compte garder, voilà. Les autres, voilà, Osef. Par contre, c'est où, c'est quoi que je voulais faire? Je voulais lui donner le multi-expérience, c'est ça. Donc du coup, bah, on va tenter de tout faire avec Popo Girl et Coquinul, tout simplement. Parce que les autres, on s'en fiche un petit peu, ils n'ont plus d'intérêt maintenant. Vous êtes has-been. Les deux extrêmes, c'est ça. Mais je vais garder Coquinul parce que il a fait ses preuves, hein, maintenant que c'est un Arceus. Il est très fort. Eh ben écoutez, c'est parti pour faire toutes ces petites portes. Ok, y'a personne. Superbe, c'était super, hein, ça c'était. Il me semble qu'en allant dans les lits, on peut soigner. C'est ça, non? Non, je sais plus. Eh ben non, pas du tout. Sympa, hein, sa table pour lui tout seul. Salut toi. Je vais à Kanto pour donner un spectacle. Arigama. Niveau 36. Oh, les niveaux sont un peu moins importants du coup, ça va. Bomberk, allez. Conversion 2, le mec il dit conversion 2, il a pas compris. Il a cru être en DM de maths. Pas compris, le mec. Puis il a pas réussi en plus. Il a pas réussi à faire une conversion 2. Dommage. Coquinul monte au niveau 24. Po! Regardez, il commence à peser. Hein. Il tente d'apprendre surpuissance. Ouais, il est surpuissant. Mais on peut pas, il faut oublier les capacités parce qu'il faut aller au maître des capacités. Il n'y a pas de maître des capacités. Oh là 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 là. Ne pas abandonner surpuissance. Tant pis, on lui apprendra avec des écailles cœurs. Je sais même pas où sont les écailles cœurs, c'est pas grave. Continuez le combat. Bah non, on garde que Popo Girl, on a dit. Dracos. Bomberk. Coquinul Forever, c'est ça. Pin, 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 pin. NT, si tu rencontres un légendaire, tu penses le garder? Ça dépend. Mais il fait mal quand même, Dracos, là, sale caca. C'est où qu'on te laisse des commentaires? Ben, ici, là, tu vois, où tu l'as fait. Bravo, bravo. Conversion 2, le mec, il a cru qu'il était en DM de maths, MDR. Eh ouais, je suis drôle. Moufouette va être envoyé par Lazy Bozo. Lazy Bozo, tu sais, le mec qui s'appelle Lazy Bozo. Moufouette. Bon, Burk. Je vous rappelle qu'on est en full random, donc tout est randomisé. Donc tout est aléatoire. Donc, bah voilà. Voilà, c'est tout. Coquinul, super. Voilà, on a battu le Zibozo. Pourquoi pas utiliser Dialga? Parce que Dialga... LOL. Ouh, oh, et ben, y a plein de monde là. Ah mais attendez, c'est un combat double ça. On va mettre Coquinul et Popo Girl. Ils vont faire une équipe de choc. Et surtout un des deux qui va mourir à mon avis. Mais je sais pas lequel encore. Furisson. Oh, il est mignon. Waouh, les rayons lumineux et tout. Alors je vous dis pour ceux du live, hein, le layout ne changera pas. Parce que bah, je vais pas m'amuser à changer en live les Pokémon qui sont marqués si on capturait éventuellement des Pokémon. Après voilà, c'est un... Petite info comme ça. Ok. Naturellement, on va rester sur des épisodes de 20 minutes. Hein, 20 minutes les épisodes, les messieurs de YouTube. Donc, des épisodes de 20 minutes. Voilà. Ouah, c'était un presse couleur Léandre. Superbe. Pas mal ton nom. Pokémon. Coquinul. Ordre. Super. Faudrait qu'on trouve des plaques quand même. Hein. Faudrait qu'on trouve des plaques pour lui mettre sur lui. Putu, patatatato. Tu nous prends pour des bébés. Ça va pas la tête. On n'est pas des bébés, mais des belles dames. Ah ouais. Waouh, un Kelorior et un Primplouf. Vas-y, Popo Girl, il faut que tu protèges Coquinul. Donc, bah, fais attention, quoi. Allez, Coquinul, fais-nous une aura sphère sur Primplouf. Je sens qu'il va crever. Je sens qu'il va crever dès la première attaque, vous allez voir. Ça va être assez fou.
Ah, oh, Coquinu, il l'attaque avant. Genre, le mec, c'est il est niveau 22. Osef, j'attaque avant. Ah, il enlève. Ah, ligotage. Il fait juste ce ligotage, le mec. Bon, ben, Coquinu, il aura réussi à faire quelque chose dans un combat. Bravo. Bravo, Coquinu. Ah, ça, de, je trouve, il s'est vachement amélioré, Coquinu. Maintenant, c'est un... C'est un BG, quoi. Il pèse. Bomberk. Ok, c'est bon, voilà. Bah, c'est bien, voilà. Coquinul, tu vois, tu commences à servir à quelque chose. Voilà, et voilà. Niveau 26, ça y est, ça y est. Ah, c'est le summum. Les Pokémon sauvages de Kanto ont un niveau bas si jamais. Je sais, je sais, je sais. Regardez, c'est... Du thé? Ou des téléphones? Dans tous les cas, il y a thé dedans. Des téléphones. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on peut soigner? Moi, j'aimerais bien me soigner. Ça doit pas être par là. Hein. On va continuer de faire notre truc des maisons. Voilà. Ah, coco. Zzzz, quoi, pas de problème, je dors pas. Zzzz, ok. C'est vide. Voilà. Tout le monde aime Coquinul. Bah oui, bien sûr. Ah, il y a un PC, vous avez vu? Il y a un PC dans la salle. On va soigner nos Pokémon. Vous, quoi, vous ne connaissez pas la technique pour soigner les Pokémon? On les déplace dans le PC, puis on les reprend. Équipe Pokémon. On déplace. Hop. Voilà. Boum. On quitte. Puis on revient dans le PC. Déplacer Pokémon. On prend Roserad, on le déplace. Et puis voilà. C'est la petite, petite information comme ça. Et là, ça y est, il a récupéré tous ses PV. Si, va dans les lits. Ah bon? Je pouvais aller dans ces lits-là? Ah bon? Donc je me suis fait chier pour rien, c'est ça? Ah ouais, je me suis fait chier pour rien. Waouh, c'est pas très grave. Au moins, je vous ai montré une technique, quoi. Mais je crois que j'avais fait la même chose dans Hard Gold, en fait. Et que vous m'aviez tous dit dans les commentaires, ouais, mais t'es nul, il y avait le lit à côté. Bref. Osef. Mais au moins, je vous ai montré une technique de malade, quoi. C'est ta chambre. Genre, c'était ma chambre, ça? Lui, il me le dit. Voici votre cabine. Ah, bah oui. Donc c'était bien ma chambre, en effet. Allez. À votre tour, madame l'entrée. Oula. Le mec, il boit du vin. Hein. Il boit du vin. Attention, attention. Hein. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pour la santé. Pour la santé. Pour la santé. Pour sauter qui? C'est bizarre. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ouais. Bizarre. Cas d'oiseau. Cas d'oiseau. Bomberk. Enti fait évoluer Coquinul avec une pierre éclat que t'as au Poké Acton. Ah non, c'est le Poké Athlon, il me semble. Pierre éclat. Oh là là là, ouais, mais je sais pas où on les trouve. Je verrai, je verrai. Je sais pas surtout combien il faut de points. Karatroc. Osef de Karatroc. Enti, si tu savais pas, le boss final, il est level 81. Ah bon? Le boss final du bateau, bien sûr. Ah bah dis donc, il est fort, hein, Karatroc. Ou alors il mange du coq au vin. C'est possible, c'est possible. C'est totalement possible. Ah, mais il lui reste 2 PV, là. Sale caca. Cas d'oiseau, c'est déjà Noël. Eh oui, c'est Noël dans le monde des Pokémon. Tout le monde, il est là pour faire la fête. Profitez de ce moment unique de l'année durant lequel il y a pas mal de choses à faire pour s'amuser. Voilà, c'était une interprétation très, très joyeuse. Qu'est-ce qu'il mangeait alors? On dirait des cuisses de poulet, hein, ou des carottes et non, pas des carottes, des pommes de terre orange, on va dire des carottes du coup, et des asperges, et c'est du vin rouge, hein, on a vu, hein.
Par contre, il a déjà mangé la moitié de la bouteille. Enfin, bu surtout. Mais par contre, il buvait avec quelqu'un. Putain, va falloir trouver la personne qui ne mange pas avec lui. Va falloir trouver. Peut-être qu'elle est là. T'oublieras pas de chanter à la centrale et dans la forêt de Jade. Ah, c'est vrai. Ah là là, tellement de chansons. Bon, on a fini tout le premier étage. Et nous allons faire le deuxième étage. El Segundo, step. Non, floor, pardon. Ah, il y a un mec qui regarde, il est en train de vomir, je suis sûr. J'ai le... Oh, c'était beau. J'ai le mal de mer. J'ai bien fait, hein, je l'ai bien fait, je trouve. Que j'ai bien fait. C'était... Limite, moi, ça m'a donné envie. Quoi. Coquillasse. Bomber. La fille est dans le sous-sol. Bah, elle, c'est normal. Puis, y'a quoi? Y'a un gros monsieur qui est avec elle, c'est ça? La team mène son enquête. Ah, bah oui, moi, je cherche la. Sa pote, hein. Ou son pote. Ah. Au montagnard. Moi, c'est ça que je cherche. Après, la petite fille, c'est un moindre problème. La fille est cachée dans le bateau. J'ai bien compris. J'espère bien qu'elle est pas dans la mer, parce que là, ce serait pas mal ça. Si tu devais être à côté avec ton Pokémon et rattraper le bateau et en même temps aller trouver la fille. Et si tu trouves plus le bateau, bah tu meurs. Avec la fille, bien sûr. Tu peux manger la fille pour survivre, par contre. Oh, ce serait pas mal. Hein. Ça rajouterait un petit peu de réalisme, Pokémon. Quel est le Pokémon pour lequel tu es le plus indifférent? Celui pour lequel tu ne ressens absolument rien? Sexuellement parlant ou... Parce que dans ce cas-là, il y en a beaucoup, quoi. Non, non, sinon, l'immonde, je ne ressens absolument rien pour lui. Bomberk. Renomme coquille nulle en coquille BG. Ah non, mais non, c'est pas possible. Elle a sauté dans la mer et elle est là. Ah ouais, merde. Alors, regardez, cette pièce est très intéressante puisqu'elle sert vachement à quelque chose, vous voyez. Puis ils se sont dit, ouais, comme c'est un couloir sans fin, on va quand même mettre un tapis parce que lol. D'ailleurs, regardez. En fait, le tapis, il est à moitié dans le mur, parce que, regardez, si on suit le tapis, eh ben, on se prend le mur. C'est un tapis coupé, en fait. Oh là là là. Tant de choses à apprendre dans Pokémon. Ah, il y a un marin. Bonjour. Hé, hey, toi là, tu peux chercher mon pote pour moi? Il se repose quelque part. Je sais où il se trouve. Je vais aller le chercher. Je sais, les gens. Celui qui faisait zzzzz, ou zzzzz, comme vous voulez. Il faisait zzzzz, il me semble. Il est à côté de ma chambre, il était là. Eh, hey, salut, faut y aller. Ah! Voilà. Quoi? Comment ça je dormais? Ça va pas de dire des choses pareilles? Comme si un marin en service pouvait prendre une pause non autorisée pour piquer un bon petit roupillon. Je vais t'apprendre, combat de Pokémon. Ah ouais, le mec il est comme ça. Au réveil, tu crois vraiment que tu vas arriver à me battre au réveil? Maganon. Ah, quand même, y a pas des Pokémon dégueulasses. Bon, faut voir au niveau de leurs statistiques. Bamberk. Piste au point. Waouh, c'est pas mal. Ah, bah pourquoi ça a pas fait? Attends. Ah non, ça n'affecte pas Maganon. Ah merde, on va falloir que je change de Pokémon. Ah oh là 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 là, hein. Ça c'est triste. Hein. Est-ce que Coquinul il serait capable de mettre KO? Pas. Hein. Bombément. Ah bah non, il était pas très capable, Coquinul, là. Bon, allez, Rongélix, c'est à toi. Si tu réussis à le battre, en un coup, tu restes dans notre équipe. Attention, on va voir. Bah non, tu resteras pas dans notre équipe, espèce de... de boulet. Allez, on va envoyer feuillage. Vas-y, feuillage. Il te dès le matin avec pisto point. Ouais, c'est ça.
Allez, on va faire Crofeu parce que j'ai cru comprendre qu'il était il est de type insecte, c'est ça? Pistot point, c'est pisto, c'est genre insecte, non? Ouais, c'est ça, ça doit être ça. Allez, allez, feuillage. Pff, ils sont même pas capables de le mettre KO, mais c'est pas possible. En même temps, vu son level... Eh mais oui, mais ça veut rien dire! Attends, l'amour des Pokémon est bien forte que les est bien plus forte que l'écart des levels. Eh oui. Regardez, Coquinul, il était niveau 1, il a battu un niveau 30. Et alors? C'était pour l'amour, quoi. Enfin, j'avais aucun amour pour lui, mais... C'est les sentiments, quoi. Il avait un sentiment de haine profonde. C'est bien, tu montes niveau 40, de toute façon, on te reprendra plus après. Donc, ça sert à rien. Alligator. Allez, changer de Pokémon. Vas-y, Popo Girl, c'est à toi. Du coup, Coquinul, bah, il est nul. Enfin, là, il a pas... Enfin, il est mort, de toute façon, on peut parler dans son dos. Alligator. Bomber. Magadion est acier, car Pistopoint est acier. Et que le poison ne l'affecte pas. Eh, c'est pas con ce que tu dis. C'est pas con du tout. Ça pourrait même être vrai. Je pense que c'est vrai. Ah, Pistopoint, c'est acier. Oh, c'est nul. Pourtant, moi, j'ai l'impression que c'est une attaque pisto. Ouais, pisto, piston, vous me direz. Ouais, ça fait vachement acier, en fait. Ouais, mais quand même. Il y a toujours que des têtes grises, les gens qu'on farmé, ça fait peur. Ah oui, au niveau des avatars sur level down, bah oui, hein, allez. Mettez-vous niveau moins 5, hein. Parti, hein. Et au 42, bien joué, Popo Girl, tu gères. 42, la réponse à l'univers. C'est bien. Cette défaite m'a ouvert les yeux. Ah bah donc du coup t'es réveillé maintenant. Je vais devenir sérieux, je travaillerai comme il faut, promis, alors ne répète pas au capitaine que je dormais, ok? C'est cool au moins s'il a ouvert les yeux. Par contre t'as pas ouvert la porte en partant donc c'est un peu con. Allez on va se soigner un petit coup. Ou un petit coup. Voilà, superbe. Et puis bah écoutez les gens de YouTube, on va se quitter là pour cet épisode 42. Attendez, c'est l'épisode 42. Et Popo Girl à niveau 42, il y a un signe, il y a un signe, il y a un signe, vraiment, il y a un signe quelque part. Signe quelque part. Bref, on va se retrouver dans le prochain épisode. En attendant, n'oubliez pas, restez comme vous êtes. Vous êtes super. Bye tout le monde. Toque.